Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là, tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match de football. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. Et c'est donc parti. Il est côté droit, il y a un truc à faire. C'est bien ce qu'il fait là. Il va au duel. Il tente sa chance. Et le gardien est présent. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. Lemina. Et il jaillit pour prendre ce ballon. C'est bien donné. Quelle inspiration! Oh, voici Mohamed Salah. Premier corner dans cette rencontre. Il y a danger. Il rejoue derrière lui. Et il prend sa chance. C'est dedans. Yes, 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 yes. Le premier but pour l'Égypte. La frappe enroulée, elle finit au fond. Je crois qu'il a mis de l'effet. Le gardien avait l'air complètement perdu. En tout cas, le tir était parfait. Le jeu reprend. Ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, c'est bien, mais il faut pas arrêter là-dessus. Faut chercher à faire le break. Lemina qui a un peu d'espace. Et il cède sous la pression. Il allonge vers l'avant. Dans la profondeur. La passe dans l'axe. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Quelle passe! Voilà une bonne occasion de contre. Salah, ça joue long. Bien donné. Ça peut faire mal! Et le carreau se dérobe largement. Oh que c'est dur! C'était une occasion en or. L'Égypte mène toujours au score, il n'empêche, la pause va faire quand même beaucoup de bien. Le ballon dans la profondeur. Dans la surface. Ça joue long, vers l'avant. Mohamed Salah, qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. C'est bien fait, ça. Lemina. Voilà qui met un terme à cette première période. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. La seconde période a donc déjà débuté. C'est vrai, mais tout peut... Faute, oui, l'arbitre a sifflé. Il s'en sort bien sur ce coup-là, mais la prochaine fois, l'arbitre sortira le carton. Ça va le mettre sous pression pour la suite du match. Maintenant, il sait qu'il ne peut plus se permettre de faire ce type de faute. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Palin maintenant. Ce sera un coup franc, bien sûr.
Il s'impose physiquement dans ce duel. Bon service dans la profondeur. Mohamed Elneny. L'Égypte qui y mène dans ce match mais n'a pas encore réussi à faire le break. Toujours 1-0. La passe est précise. Il tente de la jouer dans l'espace. Il faut frapper là. Et c'est un but. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et ça repart du rond central. Égalité parfaite. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Oh, le bon ballon. Mais il n'arrive pas à se rapprocher. La passe dans la profondeur. Allez, c'est dangereux. Le gardien ne pouvait rien faire. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. Et le doublé. Les voilà avec un petit but d'avance. Un long ballon vers l'avant. Il ne résiste pas au contact. Oui, là il y avait clairement faute. La grosse intervention. Il cherche son coéquipier. En la profondeur, bien vu. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Exactement, oui. Bien servi. Il allonge le jeu. Il est à distance, faut tirer là. Côté. La contre-attaque était superbe. Il a juste manqué le dernier geste. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Et c'est pas surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va lui faire du bien. Ballon intéressant. Le gros dégagement. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Bruno Ekwelemanga. Une poignée de secondes seulement, la victoire leur tend les bras. C'est l'une de leurs dernières possibilités. Allez, c'est maintenant. C'est joué long, attention. Un ballon devant la cage. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Balin maintenant. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Un seul but d'écart entre les deux équipes. On a vraiment assisté à un match serré jusqu'au bout.